Salut tout le monde, c'est Gameboy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire le premier épisode de Skylander Trap Team Dark Edition. Faut que je sois parti. J'ai déjà fait 4 niveaux pour tester le jeu. J'ai trouvé super. Je vais vous montrer encore un peu, voilà. Bon, on va commencer le chapitre et je vais vous laisser la cinématique de début. Ben, je vais prendre moyen. Bonne histoire. Et je vous laisse avec les cinématiques de début. Bonjour, maître du portail. Je suis Eo. Je suis ici pour te guider dans ton voyage. Bienvenue dans les Skylands. Un monde magique et merveilleux, protégé par les plus grands héros de tous les temps. Les Skylands. Les Skylands n'ont pas toujours été aussi paisibles. Les Skylands furent un temps menacés par les pires mécréants à les avoir jamais arpentés. Les maraudeurs. Menant des raids depuis leur repère niché au plus profond des terres sauvages, les maraudeurs pillaient sans pitié jusqu'à ce que plus aucun endroit ne soit sûr. Une équipe de Skylanders d'élite, dotée d'armes légendaires, remonta la piste de ces bandits et les traduisit en justice. Les Skylanders, la Trap Team. Pour le bruit, c'est le petit frère. J'ai l'honneur de vous accueillir pour l'inauguration de l'Académie des Skylanders. Oh mince, c'est génial, Cali. Un nouveau quartier général pour les Skylanders. Le premier depuis une éternité. Je sais, Hugo. Et Buzz est le plus légendaire de tous les entraîneurs de Skylanders. Mais il me rappelle quelqu'un. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je connais ce gars-là. Tu as des belles paroles. S'il parle encore. Oui, cette inauguration de la nouvelle Académie des Skylanders nous fait rentrer dans un nouvel âge de paix, de sécurité et... Nom d'un quackball. Ce truc s'est écrasé au milieu du festival annuel du soda. Restez tous ici pendant que les Skylanders et moi, nous allons voir si tout va bien. J'ai déjà fait un premier essai pour ma vidéo, donc c'est normal que vous trouvez que mon Skylander que j'avais posé est légèrement... Bien sûr, j'ai des réinitialiseurs à les utiliser pour cette vidéo. Je veux des standards.
Ah, bah, c'est que j'ai utilisé pour les imaginer, pour les calendars imaginateurs. Je pense que pour la prochaine vidéo, je vais acheter de nouveaux pièges déjà. Désolé d'avoir passé. Ouais. Car Ouais. Car je veux plus d'action. Car vous allez me dire, je veux que tu dépêches-toi pour passer les cinématiques. Pour certains dans les commentaires. Ah, et dites-moi dans les commentaires quels sont les calendriers que vous voulez que j'utilise pour les prochaines vidéos. Pour le moment, je vais utiliser ceux du Starter Pack. Oh, d'accord. Et ceux que j'ai déjà, comme... comme les Top Force. Et Drush, que j'avais déjà. Mais je me souviens plus si j'ai réinitialisé Edrush pour pouvoir jouer à nouveau à ce jeu. Pourquoi je peux pas jouer en ligne? Je vous le dirai plus tard. Comme vous avez pu le voir, la Radio 3 est différente de celle que nous avons dans Calendar Imaginator. C'est l'heure des dédicaces. Ah, j'ai en parlant de Radio Troll, comme ça me rappelait les étoiles, il y a écrit Radio Troll, je vais voir si c'est parti. Eh ben non, nous avons d'abord la trêve trouvée, les coffres au trésor, les gemmes d'âme, un saphir et le lait, les chapeaux magiques. Ah oui, les chapeaux, j'en ai entendu parler. Et c'est vaincu, je les donne visiter. Et porte élémentaire. Les portes élémentaires, j'en ai aussi. Ce n'est pas pour certaines. Non. C'est parti. Attention, Skylander. On pourrait croire que c'est pas possible pour une offensive ordinaire. Pour la première fois que j'ai vu, j'ai dit sérieusement, ça a déclenché une rébellion. C'est plutôt à moi à faire un cirque. C'était du rapide. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. C'est mon piège, c'est mon portail. Je suis vraiment désolé si vous ne l'avez pas entendu avant. Comme vous avez pu le voir, il y a des... Vous allez le voir bientôt. Pour jouer avec l'ennemi que tu as capturé. Ensuite, appuie de nouveau sur la touche changement pour rejouer avec ton Skylander. Que certaines... Il y a certaines fonctions où il y a des quêtes. Content de voir que tu as changé de sort. Des nouvelles quêtes pour les méchants, mais pour le moment... Et c'est grâce à ça qu'il a changé de couleur. Mais pour le moment, on se concentre uniquement sur le mode histoire. Pas sur les explications. Passer d'un Skylander à un méchant que tu as capturé. Ouais.
Je suppose que la présence de Tractanium pourrait avoir un rapport avec ta présence, hein, compagnon. Je pense. Alors, pour la prochaine fois, tu vas acheter un nouveau piège d'air, par exemple. Mais je sais pas si on dit si. J'ai entendu parler d'un Micromania qui vendait des pièges d'occasion. Mais je sais pas si les ennemis ont été enlevés. C'est pour ça que. Donc je pourrais peut-être avoir déjà un méchant et recapturer les mêmes pour faire exprès. Hein? Je vais voir si je peux augmenter le volume du portail. Du coup, je le vends, mais. Quand il y a réglage. Volume. Volume musique. Non, je vais aller volume du portail. Quand je trouve un dehors, hein. Parce que demain, je vais courir avec mes briques. Et je vais aller avec lui encore plus. Bah voilà, j'ai augmenté le son du portail. Comme vous l'entendez. Qu'est-ce que nous avons là? Tu es plein de promesses. Ah, c'est une porte élémentaire. Si on les traverse, on risque d'avoir des. On va avoir des bonus. Mais bah, j'ai tombé. Ouais. Comme un gros niveau. Ouais. Je pense pas que je vais la traverser pour le moment. Ouais. Ah voilà, déjà une jeune dame. Oh, c'est ça. C'est un portail mystère. Et il requiert un élément inconnu. Les éléments inconnus, c'est les lumières et la ténèbre. Ils ont été rajoutés que dans les crap teams. Là, j'ai la tablette. Le nom Flynn vient de l'ancien mot Arcunia pour génial. En fait, les Arcuniens ont un millier de mots pour dire génial et ce sont eux. C'est pas intéressant du tout. Ah bah voilà déjà la première game d'un moment. Bah. Non. Je suis arrivé ici sans que tu me vois passer. Mais un trapmaster de l'élément vie est requis pour ouvrir ce portail. Je n'en ai pas. J'ai entendu des rumeurs où on pouvait passer avec les ennemis. Eh ben non. Trap du jour. Et je n'en ai pas non plus. Oh la vache. Il doit être vraiment accro au soda pour le percuter. Il s'appelle Gulper. Et ce qui est étrange, c'est qu'il devrait être enfermé dans la prison des nuages. Il se passe quelque chose de très bizarre. Je suggère qu'on tire cette affaire au clair et rapidement. Il y en a des gros tournois en bas. C'est vraiment idiot. Piège d'eau. Qui est fourni aussi. Ah, il y a aussi un autre piège qui est fourni à part celui-là. Celui d'eau et de vie, c'est le piège spécial chaos que voilà.
Comme son nom l'indique, c'est un piège spécial pour Chaos. Remarqué que le bâtiment au fond est complètement bis a été bougé. Qu'est-ce qu'on nous a pour la tente pas juste ça. Oui, je sais qu'il y a une fête de ces déjantés et une créature géante qui terrorise le village, mais ça n'empêche pas de faire une partie de casse-pierre, hein. Ouh, mais attends, tu ne sais pas encore ce que c'est. Pas grave, occupe-toi d'abord de sauver la ville. En fait, je crois que Caspierre, c'est l'ancienne version de... du choc de la création. C'est l'ancêtre, quoi. Oh, il y a un mec dans le camion, t'as pas vu ? Ah, je suis désolé si vous entendez mon frère au fond. Radio qui sort de nulle part. Détroit. Ensuite. Détroit. Génial. Pour tout le monde. Dis-moi en commentaire si c'est la même chanson parce que je m'en souviens pas de la première chanson. Non, pour toi. Oh, qu'est-ce qu'il y a là? C'est la cage d'un méchant, maître du portail. Fais appel à un méchant capturé pour récupérer la récompense. Ah, donc le cerveau des méchants, c'est une grosse tête de chaos, quoi. On peut dire qu'il y a vraiment la grosse tête. Et j'essaye pas d'être amusant. Ah bah mince. Non, c'est qui ? Ah bah bah non. Je crois que j'ai fait une zone cachée pas très loin. Est-ce qu'on a une zone de... Bonhomme de bois, il faut détruire cette citerne de soda. Et la mèche géante de Gulper est sur le chemin. Oui, je sais, dit comme ça, ça fait bizarre. Non. Bah, peut-être. Mais ça fait vraiment bizarre. Ça fait vraiment bizarre. Puisque le Gulper ne semblait pas être aussi gigantesque. Ah là voilà, j'ai trouvé une deuxième gemme d'âme. Jack Riker. Hyper Drive. J'ai pour pouvoir des aperçus. Et l'orange, je le soda de l'agneau. L'autre, le verre est parfumé, alandi des marais. Son goût est encore
Hein, j'imagine toujours le pire, alors ça, si ça doit dépasser. Si on pouvait les échanger avec les Jiggleburs pour qu'ils boivent ce galantir, ça pourrait le faire revenir à une taille gérable. Ok, c'est parti. C'est bien joué. Intervertis les items. Ouais, je pense au dalle d'année. King. Et voilà. Bien joué. King. Non. Oh, j'en réfléchis. Vous mettez avec un petit clin d'œil. Voilà. Ça a l'air vraiment méga hyper mauvais pour pouvoir le rendre aussi petit. Quand même. Attends, pas bleu. Lâche un piège d'eau sur le portail pour capturer ce méchant. Puis après toi, tu vois pas, il y a une coffre. Ne m'approche pas, lâche un tourbillonnant. Hé, mon trident. Eh ben voilà, mais je vais le capturer. C'est un soldat. Non. Culper doit être gentil maintenant. Bizarre, mais le Culper va s'habituer. Mmh. Et ben voilà. Oh, c'est lui. Culper ne comprend pas. Il mérite pas le reçu à 100%. Ça arrive. Il ne restait plus qu'une gemme d'âme. J'en ai que 20 heures. Un centiré. Viens, je te passe. Et 4 chapeaux. Ça dépend de snipe, j'ai 4 chapeaux. Ah oui, il doit peut-être tous dans les. Devant. Oh. J'ai pas vraiment visité énormément de zones alors. Ben, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse avec un petit cinématique de fin. J'ai plus dit, mec. Oh, 6 bis. Madame, encore une mission réussie. Et lui, c'est que Culper est censé être enfermé dans... La prison des nuages, hein? Je sais, et c'est pas tout. La prison des nuages est en ruine. Il y a quelqu'un qui l'a fait exploser. Je m'appelle Max, au fait. J'ai inventé tous les trucs les plus cools de l'Académie des Skylanders. Mais aussi 87 millions d'autres trucs. Je les ai comptés, hein. 87 millions. À mon avis, elle va te suivre à l'avatar. Une petite minute, Max. Si la prison des nuages a été détruite, d'autres méchants pourraient maintenant être dans la nature. Il faut vite qu'on en ait le cœur net. On peut toujours demander aux têtes de pierre sur l'île des je-sais-tout. Ces têtes savent tout. Le problème, c'est que l'île a été envahie par des trolls. Des trolls. Non, je ne comprends pas. Changement à faire, mais tu peux l'explorer. Et quand tu voudras partir pour l'île des je sais tout, viens donc voir ce bon vieux Captain Kim.